Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez la matinale Business Matin. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, notamment au salon de l'inclusion financière qui se tiendra le 28 février 2023 du côté de la caisse stable au plateau. Et c'est une initiative de l'agence Diversity Media Pub. Pour en savoir davantage, restez avec nous, c'est tout de suite. La première édition du Salon de l'inclusion financière, on en parle sur ce plateau avec Madame Sabrina Fozzo, elle est directrice générale de Diversity Media Pub. Bienvenue, Madame. Merci, bonjour. Tout le plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, je vous laisse vous présenter aux téléspectateurs de Business 24. Alors, je suis Sabrina Fozzo, la directrice générale de l'agence Diversity Media Pub et par ailleurs la promotrice du Salon de l'inclusion financière. D'accord. Et avant de parler du Salon de l'inclusion financière, sujet qui nous réunit ici, vous allez nous présenter Diversity Media Pub. Avec plaisir. Diversity Media Pub est une agence de marketing opérationnel spécialisée en street marketing ou encore ce qu'on appelle le marketing de rue. Nous aidons nos clients qui sont les annonceurs à faire passer leurs messages publicitaires dans la rue auprès de la masse populaire en utilisant des stratégies de roadshow, des outils comme les vélos publicitaires, les camions publicitaires. D'accord. Et vous avez initié une édition du Salon de l'inclusion financière. Concrètement, c'est quoi le Salon de l'inclusion financière? Le Salon de l'inclusion financière, c'est la rencontre, une plateforme d'échange qui permet la rencontre entre les acteurs du secteur financier et les consommateurs des produits financiers. Donc, cette idée nous est venue de par nos expériences passées dans le secteur financier où nous avons travaillé pour des banques, des assurances, des établissements de microfinance et les mobile money. Et nous nous sommes rendus compte du manque d'éducation financière de la population et de la méfiance aussi des consommateurs vis-à-vis des acteurs du secteur financier. D'où l'idée de mettre en place cette plateforme d'échange pour que les deux se rencontrent, pour que les deux discutent afin de booster l'inclusion financière. D'accord. Et cette plateforme dont vous parlez se tiendra autour du thème « L'expérience client attendue, enjeux et bonnes pratiques ». On veut en savoir davantage. Exactement. L'expérience client attendue, enjeux et bonnes pratiques, ça parle aux deux parties qui seront présentes, les acteurs du service financier et les consommateurs. Les enjeux, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un enjeu très important pour les services financiers de faire en sorte que la population puisse se bancariser. En Côte d'Ivoire, on a un taux de bancarisation qui est très faible et on a aussi les actifs de l'informel qui sont très peu bancarisés. On a 20% à peine qui sont bancarisés. Et donc, c'est un enjeu énorme pour les acteurs du secteur de faire en sorte que ces non bancarisés là puissent se bancariser, puissent ouvrir des comptes, puissent avoir accès aux services financiers et les utiliser. Et l'expérience client, pourquoi? Parce que les consommateurs, qu'est-ce qui va favoriser, qu'est-ce qui va les inciter à ouvrir des comptes et à utiliser ces services? C'est d'avoir une expérience client quasi parfaite, on va dire. Et donc, pourquoi ne pas en discuter? Pourquoi ne pas que les consommateurs expriment ce qu'ils attendent et que les acteurs du secteur fassent en sorte que on offre aux consommateurs l'expérience client qu'ils attendent afin d'utiliser ces services. D'accord. Et quelles seront les grandes articulations de cette rencontre pour bénéficier, bien sûr, de ces différents avantages que vous venez de citer? Alors, cette rencontre va se faire sur toute la journée du 28 février et autour des panels de discussion, on aura bien sûr des stands avec tous les acteurs du secteur, les banques, les assurances, les microfinances, mais aussi des sessions de discussion. On va parler de la bancarisation des jeunes. Vous savez que le président de la République a déclaré l'année 2023, l'année de la jeunesse. Bien sûr. Et les jeunes d'aujourd'hui sont les futurs actifs de demain, sont les futurs les actifs donc, qui vont avoir besoin de services financiers. Et donc, on pense qu'il faut leur parler dès maintenant. Mettre en place une éducation financière. Donc, on aura ce thème-là de la bancarisation des jeunes, mais on aura aussi, on va parler de la femme entrepreneur, de l'informel, les commerçantes, les vendeuses dans les marchés, les femmes qui ont des petits commerces, comment passer de l'informel au formel, comment ouvrir un compte, comment demander plus tard des prêts pour permettre de se développer. D'accord. Et concrètement, qui peut prendre part à ce rendez-vous?
Alors, nous invitons toutes les personnes en âge de se bancariser, en âge d'ouvrir un compte, à venir au Salon de l'inclusion financière. L'entrée est gratuite et ces personnes auront accès, bien entendu, aux services financiers qui seront là aussi pour poser toutes les questions, pour parler de leurs besoins et trouver avec les banques et assurances présents les produits qui correspondent à leurs besoins. D'accord. Et comment ces personnes-là font pour bénéficier de ce salon, les avantages de ce salon? Alors, pour venir au Salon de l'inclusion financière, c'est gratuit, je le rappelle encore, il faut juste s'inscrire sur le site internet salondelinclusionfinanciere.com et vous avez un accès qui est marqué « Accéder à votre badge ». Vous y accédez et vous vous inscrivez et par la suite, vous recevrez votre badge par email. Il suffit de venir avec. Alors, Madame Sabrina Fozzo, on va vous demander de rappeler les dates, l'heure, le lieu pour plus de mobilisation. Le Salon de l'inclusion financière se tiendra le mardi 28 février 2023 à partir de 8h à la caisse table au plateau à Abidjan. Voilà qui est précis. Vous avez un appel à lancer peut-être pour terminer? Oui, donc pour terminer, bien entendu, j'appelle toutes les personnes, comme on a dit, en âge de se bancariser, de venir à ce salon pour en apprendre davantage parce que le premier pas vers une demande de prêt ou vers l'épargne, c'est d'ouvrir son compte bancaire. Et donc pour cela, venez, on va vous expliquer comment ça se passe, quels sont les produits qui existent pour vos besoins. Mais j'ai fait appel aussi, bien entendu, toujours aux acteurs du secteur financier. Venez aussi nombreux rencontrer vos consommateurs. Voilà qui est bien dit. Je pense que ces personnes ont compris votre message. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci surtout de choisir notre canal pour informer votre cible. Merci à vous de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Madame Sabrina Fozzo. Elle est directrice générale de l'agence Diversity Media Pub. Et nous avons parlé de la première édition du Salon de l'inclusion financière qui se tiendra le 28 février 2023 du côté de la Caisse Table dans la commune du Plateau à Abidjan. Merci et au revoir.